C'est un musée hors du commun qui vient d'ouvrir ce week-end à Paris. Le milliardaire François Pinault, l'un des hommes les plus riches du monde, est connu pour sa passion de l'art contemporain, a en effet investi près de 200 millions d'euros pour restaurer l'historique bourse de commerce située en plein cœur de Paris. Ce musée est le troisième musée de François Pinault, qui a ouvert il y a une quinzaine d'années deux premiers musées à Venise, le Palazzo Grassi et la Pointe de la Douane. Mais dès le moment de cette ouverture à Venise, François Pinault avait annoncé qu'il souhaitait, quand les circonstances le permettraient, ouvrir également un musée à Paris. Parce qu'il souhaitait installer les œuvres de sa collection dans cette ville qui est sa ville, la ville dans laquelle il vit, la ville dans laquelle il a constitué sa collection. Pinault a fait appel à l'architecte japonais Tadao Ando pour aménager l'édifice circulaire inspiré du Panthéon de Rome. Et c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui lui a proposé de lui louer ce bâtiment historique pour 50 ans, afin d'exposer ses collections pléthoriques. C'est un bâtiment génial du point de vue de son architecture. C'est un bâtiment rond qui donc incarne les utopies architecturales de la fin du XVIIIe siècle. C'est le bâtiment qui a reçu la première couverture métallique de France, la première coupole métallique puisqu'elle date de 1812. C'est un bâtiment dont la conception, dont les décors sont d'une très très grande richesse. Le public peut désormais découvrir à la fois un patrimoine historique revisité et des collections d'art contemporain de premier ordre.